Bienvenue chez Normec BTV. Afin d'éviter des accidents, il est important de contrôler les installations domestiques chez les particuliers. Les défauts électriques peuvent non seulement causer des incendies et des électrocutions, mais aussi endommager les appareils. Normec BTV, en tant qu'organisme agréé, effectue ces contrôles imposés par le livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. L'inspecteur se rend tout d'abord à l'extérieur pour vérifier la mise à la terre. Une faible résistance de la terre est importante pour la protection des personnes. Dans une habitation, la résistance ne doit pas dépasser les 30 ohms. Dans l'habitation, le contrôleur vérifie la correspondance des schémas par rapport à la réalité. Il arrive souvent que lors des travaux de rénovation, qu'on rajoute par exemple un circuit et qu'on oublie d'adapter le schéma. D'autres points d'attention, c'est l'utilisation de sections de fil correctes et un câblage adéquat. En particulier, la réaction au feu des canalisations électriques. En outre, les caractéristiques des différentiels et des protections contre les surintensités doivent être également contrôlées. L'inspecteur vérifie le bon fonctionnement du différentiel à l'aide du bouton test et effectue une mesure d'isolement afin de détecter les défauts invisibles dans l'installation, comme par exemple la présence d'un câble endommagé dans un mur ou dans le sol, ou bien par exemple une infiltration d'eau dans un appareil. L'inspecteur fait le tour de la maison afin de vérifier la correspondance du plan de position par rapport à la réalité. Entre-temps, il vérifie la connexion des broches de toutes les prises à la mise à la terre. La salle de bain est un endroit où des règles spécifiques sont d'application. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Les points d'attention sont la distance minimale de 60 cm entre un interrupteur et le bord de la baignoire ou le bac de douche, et la protection de la salle de bain avec un différentiel de maximum 30 mA. Pour le vérifier, l'inspecteur effectue un test de déclenchement via la création d'un courant de défaut. Chez Normec BTV, le rapport est rédigé à l'aide d'une tablette. Les photos de l'installation peuvent être rajoutées au rapport. Ce dernier est signé numériquement et envoyé au client. La durée de validité du rapport est de 25 ans pour les installations domestiques. Pour les nouvelles installations, le rapport peut être utilisé pour demander un nouveau raccordement au gestionnaire du réseau. Si des infractions sont constatées, elles devront d'abord être corrigées avant qu'un raccordement puisse être demandé. Pour les installations existantes, vous avez un délai d'un an pour résoudre les infractions et demander un contrôle. Les installations datant avant 1981 font exception à cette règle lorsqu'elles sont vendues. L'acheteur a 18 mois après la signature de l'acte pour pouvoir résoudre les infractions constatées. Grâce à Normec BTV, vous pouvez commencer à utiliser votre installation domestique en toute sécurité. Normec BTV, mieux contrôler.